Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne pour savoir comment faire une carcasse d'avion. Donc du coup c'est parti, je vais vous apprendre à faire tout ça. En tout cas j'espère que la petite cinématique vous aura plu. Voilà, c'est comme la dernière fois avec le tuto du jardin japonais. Donc voilà, donc c'est très simple, on va voir en gros plusieurs parties des morceaux des carcasses d'avion en fait, si vous voulez. Et ensuite quand vous mettez du coup toutes ces carcasses d'avion en commun, donc disposées un peu à droite à gauche, et ben vous avez du coup une grosse carcasse d'avion. Donc il y a plusieurs on va faire plusieurs éléments du coup. Donc on va commencer par une aile d'avion. Donc pour ceci je vais prendre de la grille verte et de la grille blanche. Pour les couleurs, le vert, vous pourrez le changer en autre couleur. J'ai décidé de prendre du vert pour faire un peu un vieil avion si vous voulez. Donc c'est parti, on va commencer par l'aile. Donc c'est simple, on va mettre deux grilles blanches, tout simplement pour faire si vous voulez un petit motif. Et on va continuer comme ça. Donc on va faire une largeur de 5. On va en mettre 2 et 1 et on va les tirer du coup du même côté mais à l'opposé du coup à 5. Donc 1, 2, 3, 4 et du coup 5 et là 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, ça fait une aile, vous pouvez la mettre dans les deux sens. Ça fait l'aile des deux côtés si vous voulez. Après vous pouvez bien sûr la faire plus grande et casser des morceaux. Il n'y a pas de souci. Pour du coup ce qui est de l'aileron arrière, donc c'est très simple, vous voyez, on va prendre une base du coup, attendez, hop, je mets juste au centre, donc une base de 4 grilles vertes. Sur celle-ci, on va en mettre 2, hop, comme ça, sur les côtés, comme ceci. Et là, on va mettre un petit L, comme ça, de 3 grilles vertes, et on va monter de 2 blancs sur le côté. On referme du coup derrière. Et pour ce qui est du dessus, ah, excusez-moi, voilà. Et pour ce qui est du dessus, on referme juste avec un petit L. Donc voilà, ce qui nous fait du coup, voilà, l'arrière si vous voulez, la queue arrière de l'avion. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais donc voilà. Maintenant, on va passer à ce qui est, si vous voulez, de la cabine, si on peut appeler ça, hein, puisque c'est vraiment une carcasse. Donc, on aura besoin que du coup de l'argile, du coup de la grille verte. J'ai pris des escaliers en chêne noir, des coffres, des torches, des trappes, des vitres plates du coup,
et des tapis marron. Donc pour ce qui est de là, c'est très simple. Hop, on va juste tirer, hop, voilà, juste tirer deux bandes comme ça en qu'en espace de 3. Donc assez long quand même, 1, 2, 3, voilà, 2, 6. Et maintenant, on va mettre des fenêtres. Donc hop, on n'en met pas de ce côté. De ce côté, mais pas de fenêtres. On n'en met qu'à partir d'ici. Hop, on met des fenêtres comme ça. Et on finit comme ça. Donc on a trois fenêtres d'un côté et deux de l'autre. Si vous voulez, sur 6, hein, toujours. On va mettre les vitres de chaque côté. Donc pour l'instant, en fait, on fait vraiment en fait la carcasse. Et après, on va le détruire. Et les escaliers, du coup, on les met juste avant les fenêtres. Donc du coup, ici, là et ici. Hop, on recule du coup encore de 1. Et là, on met deux coffres. Pour ce qui est des torches, j'en mets une ici et donc du coup une ici, une là, et on va en mettre et deux ici du coup. Enfin, voilà, même comme ça si vous voulez. Voilà. Donc deux à chaque extrémité des deux côtés. Et pour ce qui est des trapdoors, du coup, au-dessus des torches pour représenter si vous voulez le pour là où poser les bagages. Donc là, on a, si vous voulez, un hall normal. Donc on va un peu casser, si vous voulez, on va mettre un escalier par exemple de travers. On va carrément enlever cet escalier. Hop, comme ceci. Ah mince, j'ai enlevé la pierre sans faire exprès. On enlève des coffres. Pour ce qui est des trappes, vous pouvez les baisser, même voilà, en casser carrément. Hop, je vais casser ceci. Hop, je vais en mettre une par terre. Voilà. Ici, on va carrément la mettre là. Et voilà, casser ici. Donc vraiment bien casser. Après, on va même casser du coup deux torches. Donc pour quand même que ça reste éclairé. Pour ce qui est des tapis, donc on va mettre hop quelques tapis comme ça. Hop, et pour le reste, on va mettre de l'argile au milieu. Et après, sur les côtés, si vous voulez, on va remettre juste comme ça pour faire que ça parte un peu. Pour les vitres, on en enlève. Donc, on va enlever celle-là et celle-là. Et de l'autre côté, on va enlever, par exemple, celle-là. On va rajouter des petits morceaux comme ça de grès autour pour faire des morceaux qui sont en allée. Vous pouvez même, du coup, continuer, par exemple, des tapis comme ça. Et on va aussi mettre du coup des verres, des verres plats comme ça. Et du coup pour en haut, c'est simple. Hop, on met juste par exemple un côté comme ça, on le désépaissit un peu. Voilà, et par exemple, on met juste comme ça si vous voulez. Et voilà, si vous voulez juste un carré, donc hop, on va juste casser pour qu'il y ait bien une démarcation. Donc voilà. Et ça nous fait le haut, par exemple, voilà, là j'avais fait autrement. On casse aussi du coup des bords de l'avion comme ça. Hop. Comme ceci, si vous voulez, vous pouvez même casser là. Donc voilà. Et là du coup on a notre carcasse principale, si vous voulez, de l'avion. On va donc passer, si vous voulez, là c'est la partie passager, à la partie le cockpit. Voilà, donc on prend de la grille verte, des verres cette fois plein, toujours un escalier du coup là en bois de sapin, une demi-dalle, des barrières, des tapis marron du coup, un bouton, et du coup ça on le fera après, un levier et du coup le fameux du coup le crochet, hop. Donc on commence. On va, alors voilà, on va commencer simple, je regarde juste, donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de porte comme ça, si vous voulez, de 3 par 3 en cassant les angles. Ici on met les demi-dalles et ici du coup on remplit comme ceci. On fait le contour comme ça là, je regarde si c'est les bien ça, oui, et du coup on ravance les côtés ici, et du coup
Oui, voilà. Et du coup, on avance les côtés là. On met notre escalier ici, on met un levier, un bouton, un crochet, et après, on met les vitres comme ça, toujours du coup en V, et ici, on ferme par un petit T. Donc là, on a notre cockpit. Voilà, comme ceci. Hop, on va juste mettre un peu de vert, comme cela. Et du coup, pour devant, du coup, pour faire l'hélice, on met une barrière en haut, une barrière en dessous. Et après, on prend un time frame, on le met au milieu. Du coup, pour représenter l'hélice au milieu, hop, on met juste un vert comme ça, décalé d'un côté. Maintenant, on va procéder du coup pour détruire. Donc, on met 2-3 tapis. Hop, par exemple, vous pouvez décaler le bloc avec la dalle décalée. Ça fait un peu arraché. Hop, on casse 2-3 morceaux. Vous pouvez casser 2-3 vitres si vous voulez. Mais pour que ça, faut toujours que ça rende un peu bien. Donc voilà. Et on met bien sûr, hop, des morceaux comme ça à droite à gauche. Hop. Essayez de ne pas les coller. Du coup, des morceaux. Voilà. Pour faire que ça, c'est vraiment, si vous voulez, étendu. Hop. Ah. Et voilà. Donc là, on a du coup notre cockpit, si vous voulez, endommagé. Et pour du coup finir, on va faire la roue, si vous voulez. Vous pouvez en faire plusieurs, bien sûr. Donc pour celle-là, il faudra du coup de la grille verte, de la grille noire, un bouton et une barrière en bois. Donc c'est simple. Là j'ai fait un truc assez simple. Juste remettre le jour. Donc on fait un T à l'envers comme ceci. Hop, on met une barrière, la grille noire et juste deux petits boutons sur les côtés. Vous agrémentez avec 2-3 comme ça, grille verte. Et voilà, vous avez du coup votre grille noire, du coup votre roue, excusez-moi, avec du coup la graine noire pour représenter du coup la roue. Donc voilà, hop, je vais vite vous montrer du coup, en plus de la cinématique, voilà ce que ça peut donner quand on a fini en fait. Voilà, là j'ai rajouté des vitres pleines comme ça, et du coup voilà, c'est assez sympathique. Donc voilà, là c'est les ailes, l'arrière, les roues, l'intérieur du coup. Donc assez sympa hein, avec le devant. Donc voilà. En tout cas, hop, on va se mettre comme ça. J'espère que cette vidéo, que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. J'ai les idées, j'ai tout ce qu'il faut. Faut juste que je prépare la map. N'oubliez pas du coup la map de ce tuto est dans la description, ainsi que mon ressource pack. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.